Bonjour, agent Stram. Si tu entends ceci, c'est que tu as une fois encore trouvé ce que tu cherchais. Ou tout du moins, tu le crois. Ton dévouement est louable. Mais je te le demande, as-tu appris quelque chose lors de ce voyage initiatique? Comme le dit ce vieil adage, qui me trompe une fois, honte à lui. Qui me trompe deux fois, honte à moi. La situation dans laquelle tu es est basée sur la confiance. Alors je te le demande, agent spécial Stram, as-tu appris à me faire confiance? Le seul moyen de sortir de cette pièce vivant est de pénétrer dans ce coffre en verre devant toi. La douleur sera intense, mais tu auras une chance de survivre. Espèce d'enfoiré! Comment j'ouvre cette porte? Comment je sors d'ici? De ne pas entrer dans ce coffre. On n'entendra plus jamais parler de toi. Ton corps disparaîtra. Tu te seras volatilisé. Je te le demande, agent spécial Stram. As-tu appris à me faire confiance? Tiendras-tu compte de mon avertissement? Car dans le cas contraire... Je t'emmerde. Cette pièce sera ton tombeau. Et mon héritage deviendra le tien. Si on sait bien anticiper le comportement humain... Je crois que je suis suivi, monsieur. Qui vous suit, madame Tuck? Je veux parler à Jill Tuck une dernière fois. Il soupçonne une personne de la maison. Ça ne laisse aucune chance au hasard. On était tous censés mourir. Tu étais censé être le héros. À toi de choisir. Owen, c'est Erickson. Je veux un avis de recherche. Le suspect s'appelle Peter Stram. Oui, c'est bien ça. L'agent spécial Peter Stram.